On avait deux nouveautés cette année, une nouvelle conductrice qui a fait le trajet jusqu'aux douanes et l'autotrain. Comme on avait un trajet de 10 heures à faire qui s'allonge assurément de 2 heures à cause du trafic et des arrêts repas, essence et toilettes, on a décidé de partir à 3h30 le matin. En plus, on aime ça partir tôt. On a fait un premier arrêt toilette et changement de conducteur à la boutique hors taxe des douanes qui est ouverte 24 heures. On a fait 4 heures sans s'arrêter jusqu'à une heure de service de Newburgh entre Albany et New York. Ça a été le seul plein d'essence nécessaire jusqu'en Floride. Voilà, reparti avec un nouveau conducteur avec le plan sur son bras. L'arrêt dîner s'est fait après un autre 2 heures de route, le classique Taco Bell que notre famille aime beaucoup. Taco Bell. Le dernier 4h15 s'est fait sans arrêt non plus, mais avec du trafic et des détours dans la ville de Washington. On est arrivé à notre hôtel vers 4h moins quart. Puis pour souper, on a essayé le restaurant IHOP. Le lendemain, on avait un déjeuner gratuit à l'hôtel, puis on devait quitter la chambre maximum à 11 heures. Comme la gare ouvrait seulement à 12h30, on avait du temps libre pour visiter un peu. On a commencé avec l'épicerie Amazon Fresh. On avait hâte de tester le scan automatique des produits, mais c'était finalement pas mal plus compliqué qu'on pensait. Et c'est seulement à la caisse qu'on s'est rendu compte qu'il fallait un compte Amazon Prime US pour que ça fonctionne. C'était quand même impressionnant de voir la technologie en place, particulièrement les centaines de caméras suspendues au plafond. OK, go! Ça n'a pas fonctionné. C'est-tu juste en sortant? Un petit commentaire sur Amazon Fresh? Cool, mais compliqué. Mais il n'y a rien qui fonctionnait pour nous, là. Non. C'est ça, c'est nous. Un classique de voyage. Les deux, vous avez pris les pizzas, là, Nchaba? Bon appétit! On a ensuite fait une visite éclair de la très belle ville d'Occoquan, située à moins de 10 minutes d'auto. Avoir su, on aurait dîné là plutôt que dans la voiture. Finalement, on était tellement curieux de voir la gare et le train qu'on a décidé de s'y rendre à l'ouverture. La gare depuis quelle heure? Donc, midi et demi 28. On a décidé d'arriver bientôt parce qu'on est parti de l'hôtel à 11h. Puis ben, de toute façon, on avait à attendre. On s'est dit qu'on est mieux à attendre dans la gare qu'assis dans l'auto en ligne éternelle. À la guérite, on nous aurait mis un dépliant avec le numéro de notre véhicule. On devait ensuite stationner l'auto et laisser les clés pour le préposé qu'il conduirait plus tard dans les wagons pour voiture. Avant d'être embarqué, l'extérieur de chaque véhicule est vérifié par des employés pour éviter des accusations de bris sur la carrosserie. Au bureau d'enregistrement, on nous a remis une confirmation de numéro de cabine pour l'embarquement, des coupons pour le souper, qui est inclus quand on loge dans une cabine, et des chocolats. Du chocolat? Oui. Ça, c'est...
C'est mon coupon de dîner. Tu vas le garder? Oui. Il nous restait 2h30 d'attente avant l'embarquement. On en a profité pour visiter la boutique de souvenirs et pour marcher sur le quai à la recherche du wagon où on allait dormir. Il y a plusieurs indicateurs sur le quai et sur les wagons, donc c'était plutôt facile à trouver. On a laissé les filles choisir la chambrette qu'elles voulaient entre les deux qui nous étaient réservées. Sur notre étage du wagon, il y avait nous quatre, une famille dans la chambre familiale au fond, et le préposé de première classe en face de notre chambrette. Il n'y avait personne en face des filles, puis sur le reste de l'étage, il y avait quatre toilettes et une douche. Dans chaque chambrette, il y a deux couchettes, une en haut et une deuxième formée par les deux bancs convertibles. Les bancs sont super confortables, on a beaucoup d'espace pour les jambes et de chaque côté aussi. Il y a un cabaret rétractable pour pouvoir manger ou faire des jeux. Puis on avait des bouteilles d'eau incluses. En dessous de la première marche d'escalier, il y a une poubelle. L'escalier permet de monter dans la couchette du haut au moment d'aller se coucher. Il y a des prises électriques à côté de chacun des bancs, ce qui permet de recharger nos appareils électroniques. Le Wi-Fi est inclus et fonctionne bien. Il y a un petit miroir dans la chambrette et les portes sont vitrées et munies de rideaux si on veut plus d'intimité. Finalement, un loquet permet de barrer la porte. Le train a commencé à avancer pour laisser l'espace permettant d'attacher tous les wagons qui contenaient les voitures. On peut voir ces wagons-là qui sont actuellement sur les rails d'à côté. On s'est arrêté durant 15 à 20 minutes, le temps d'attacher tous les wagons. Durant cet arrêt, la dame qui faisait les annonces à l'intercom nous a donné plein d'informations sur ce que transportait notre train. Today, we're a total of 382 passengers on board. We have a total of 240 traveling in our coach section and 147 traveling in our sleeping car accommodations. Inside of our auto carriers, we are carrying a total of 177 vehicles. 28 of them are priority vehicles, along with two motorcycles. The crew today consists of 18 onboard service personnel, two conductors, and two engineers. We'll change conductors and engineers at our halfway point of Florence, South Carolina. On a un billet chacun. C'est moi puis Yannick, puis les filles en ont un aussi. Fait qu'on va y aller bientôt, j'imagine. C'est à 6 heures. If your meal ticket is marked 1, please proceed to the sleeper diner. Please have your meal ticket in hand. And please wait to be seated by a member of our dining car staff. C'est l'heure de notre souper. On n'entend pas. Oui, je crois que je suis déjà.
En arrivant à la table, la salade et le pain sont déjà servis. Le repas est inclus dans le prix du billet quand on a une couchette. Il reste juste le pourboire à donner au serveur. Dans le menu, on a le choix d'un repas parmi quatre, d'un dessert et d'un breuvage en plus d'un verre de vin pour les adultes. Plus tard en soirée, on s'est installé dans le wagon-salon pour jouer à des jeux de société et profiter du coucher de soleil. As-tu mis les deux? Ah oui, ok. Comme ça, absolument. Fait que là, si tu tombes, tu vas tomber là-dedans. Bonne chance. Puis toi, c'est ton lit en bas ici. Oui. Mais bonne nuit, fille. Deux heures et demie en retard, ils ont laissé prendre plein de choses. En plus, on a tout le temps le droit de prendre tout ce qu'on veut. C'était pas vrai. Des bonnes chances. On le sait pas parce qu'on l'a jamais fait. C'est ça. Plus d'électricité, plus de Wi-Fi. On attend qu'ils nous disent de débarquer. Je pense que c'est nos voitures qui sont en train de
peuvent tout changer de place pour qu'ils puissent les débarquer. Puis nous, ils ont rallumé les modules, l'électricité et tout. Finalement, on avait juste 1h15 de retard. Au lieu d'arriver à 10h, le train est arrivé à la gare à 11h15. On a attendu notre auto environ 40 minutes. On l'a eu juste à temps pour se rendre à un restaurant pour dîner. À Daytona Beach, en chemin vers Sainte-Augustine, on savait qu'il y avait un Buc-ee's, une station de service énorme avec un magasin assez étonnant, qui vend un peu de tout, incluant des barbecues et du beef jerky. Les toilettes du Buc-ee's sont très propres, puis chaque toilette individuelle a du Purell puis des lingettes. On n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter là.